Lundi soir, Anisha était l'invitée de Yann Barthès dans son émission quotidien. Ce fut alors l'occasion pour elle de revenir sur son aventure hors du commun, lors de laquelle elle a eu quelques habitudes étranges. Mais surtout, Anisha a évoqué son passé compliqué vécu à Madagascar où elle est née, plus précisément à Tananarive, la capitale. Dans la Star Academy, Anisha avait déjà brièvement parlé de son enfance, sans rentrer dans les détails mais simplement en indiquant avoir été « brisée » de la même manière que sa guitare cassée qu'elle ne quitte jamais. Pour s'en sortir justement, Anisha a pu déménager en France en 2016, grâce à un titre de séjour qui lui a été remis dans le cadre de ses études supérieures. Avoir eu la chance de pouvoir continuer les études en France, c'était une grande opportunité, là c'est ma dernière année, je suis en management et marketing digital, a-t-elle encore confié. L'avenir s'avenir encore plus radieux pour la gagnante de la Star AC, qui va pouvoir sortir son premier album avec la maison de disques qu'il a signée, Sony.